Mazoé, Albert Bastaro, lancé, déchire le rideau défensif de Toulouse. Mathieu Bastaro pour Armitage qui est au soutien. Armitage, il va, il marque. Le deuxième essai du match, le premier de Toulon. Perdeuse. Action. Touche et suppression finalement. Temps. Grosse explication, mais ce ballon qui va arriver dans les pieds de Stéphane Armitage. Il s'échappe et qui marque. Ah, j'ai eu l'impression que M. Péchamer allait signaler un main avant. Attention, cet avantage peut profiter pour les Toulonnais après une attaque montoise. Durand pour Mermoz. Mermoz qui trouve un intervalle, qui arrive à libérer rapidement. Durand qui va renverser et qui retrouve Wilkinson. Qui croise avec Baptiste Botta. La puissance de Baptiste Botta. Il va tout seul. Puis il a laissé peut-être Baptiste Botta, le Sud-Africain. Oh, le ballon qui ressort pour Nicolas Durand. La longue passe de Durand, Wilkinson qui allonge lui aussi pour Bastaro. Non, c'est Armitage. Et l'essai de Stéphane Armitage. Voilà la réponse de Toulon. À cette partie sur notre site www.notrugby.fr, on vous donnera tout ça. Bonjour de rugby ou alors à la mi-temps du très chaud derby entre le Racing et le Stade français qui va se jouer tout de suite après cette Benjamin Laferre à la relance avec David Smith dans la ligne, ça va s'ouvrir, il y a des passes en plus à faire à l'extérieur. Il faut donner, il faut rentrer les courses. David Smith, il a croisé avec le Balabou qui va remettre à tailleur à Gunther avec de la réussite. Evan récupère, ils jouent en avançant, ils ont des soutiens, des solutions avec Laurent Emmanueli qui est venu à l'intérieur de Johnny Wilkinson. On insiste encore avec Wilkinson replacé, encore une remise à terre sur Fernandez Gobé, ça s'est ouvert pour l'Argentin. Armitage qui a marqué le crochet. Oh, les appuis du troisième ligne anglais au pied des poteaux. Et voilà ce qui était en train de se passer. Ils ont pris l'ascendant physiquement et la porte s'est logiquement ouverte. Van Nicker. Mission. Une des toutes dernières munitions de Toulon. Quito. Petit à petit, progresse, avance. Matt Quito va surveiller. Bastaro maintenant. Bastaro qui n'arrive pas à franchir le rideau défensif parisien. Tiens, renverse l'attaque, on monte bien à la limite. Toulon conserve. Board. Quito, c'est de lui, il peut venir le danger, il est en train d'essayer de déborder Ramadan, de s'engouffrer entre Sakhi et Ramadan, il croise avec Armitage, les crochets d'Armitage repris par le plaquage de Mostert, Tius Board, ça chauffe, Kubriashvili maintenant, qui charge et qui est repris à moins de 6 mètres, Tius Board, Missouk garde le ballon plaqué par la défense parisienne, encore une fois, ça va ressortir, même ça, Tius Board, Quito qui ne contrôle pas ce ballon, un avantage en cours pour les Toulonnais, la défense parisienne et M. Reynal accorde une pénalité. Pour l'instant, les Toulonnais n'ont pas besoin de la tenter, mais Messina la joue vite pour lui-même, pour la percussion d'Orioli, stoppé à moins de 2 mètres. Le relais de la paire en puissance, le jeune arrière qui s'arrache, qui est poussé sur le poteau, sur la ligne du Stade français, cette dernière action du match, à 20 secondes de la sirène. Un ballon du match nul pour les Toulonnais. Féroce bataille au sol. Les Parisiens vont-ils pouvoir mettre les barbelés sur cette dernière action où les savants toulonnais essayent d'y aller en force. Le ballon n'a pas franchi la ligne. C'est clair, c'est net. Mais c'est pas terminé avec un avantage en cours encore. Missouk, Missouk tout seul. Missouk repoussé par la défense parisienne alors que les cloches retentissent. Tius Bordé carrément. Quito allonge la passe pour Armitage qui marque. Armitage qui marque, oui, mais qui marque le plomb de la ligne.